à l'heure, je suis allé à la NPE, je leur ai dit je suis centralien, j'ai eu le concours commun des ponts et chaussées, je suis ingénieur en aéronautique aussi, et j'ai un doctorat en mathématiques. Est-ce qu'il serait possible de m'aider à trouver du travail? Ça fait 15 ans que j'en cherche, depuis... la fin de mes études, l'intégration, les droits de l'homme, la République, l'égalité, tout ça, je ne m'y retrouve pas. Je n'arrive pas à y voir clair. Vous voyez? La dame m'a dit, oui, on est là pour ça! Je lui ai dit, cache ta joie, salope. Non, pour être honnête, je me suis contenté de le penser. Je ne l'ai pas dit. Je regrette d'ailleurs. Donc, on est là pour ça! Elle m'a pris en rendez-vous avec une psychologue. Elle me cherche, ça peut me trouver. On va bien s'amuser. Je me suis dit, elle a peut-être raison, après tout, c'est pas facile à le croire. Je parie que même vous, vous ne le croyez pas. Je vous crois. Moi, alors, je vais vous la refaire, excusez-moi. 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 J'ai toujours cet effet là quand j'y prends. Excusez-moi. Il y a 1h45 maintenant, je suis allé à la NPE. Oui, la NPE, vous savez, l'Agence nationale pour les étrangers. Je leur ai dit, je suis central. Ah non, pas le commissariat, non. Vous n'y êtes pas là. Ni la prison, non. J'ai eu le concours commun des fausses choses. Ah non, Dieu merci, je dors pas encore sous les bras. Je suis ici, si. Ça peut aller. Bien chaussée, pourquoi? Je suis un génie. Vous savez, les gars qui font tout, qui travaillent avec la tête quand ils ont non. Quand ils peuvent. C'est moi. Non, on est aéronautique, oui. Oh, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui est. Mais, c'est niqué. Technique du vol. Oui, les techniques du vol. Oh, laissez tomber. J'ai un docteur. Oh, mathématiques. Oui, je suis docteur, ça se voit pas, c'est tout. Mais ce serait possible! Ne m'aidez pas, non, excusez-moi. Ne m'aidez à trouver du travail, ça fait 15 ans que j'en cherche depuis la fin des études. J'aimerais pouvoir me lever une fois utile le matin pour voir ce que c'est. L'intégration, les droits de l'homme, la République, l'égalité, tout ça, je ne m'y retrouve pas. Ah si, je ne m'y retrouve pas. Je n'arrive pas à y voir clair. Vous. J'ai joué le jeu, j'y suis allé. Elle avait forcément raison. Elle ne pouvait pas comprendre. Je me suis quand même dit qu'à y réfléchir deux fois, elle aurait pu comprendre que... C'était pas moi qui n'avais besoin d'un psy, mais la société, rien que ça. Le problème, c'est, comment vous dire, c'est réfléchir, trop compliqué pour elle. Bref, je suis arrivé au rendez-vous, j'ai dit, je m'appelle Mustapha, j'ai rendez-vous avec vous, je m'appelle pas Rachid, j'ai 40 ans et je ne suis pas fou. C'est terrible de venir être obligé de se justifier et dire, je ne suis pas fou. C'est fou, non? Excusez-moi, j'aimerais faire une petite parenthèse. Le monsieur à côté de la dame en rose, à droite, oui, lui. Lui, là, il a pari. À l'instant, il a pari. Tout le monde a ri, ça va, depuis le début, mais lui, il a pari. Pourtant, j'ai un rendez-vous avec vous, je m'appelle pas Rachid. C'est drôle, non? Vous n'avez pas la télé, monsieur? Je veux dire, il faut un minimum de culture audiovisuelle pour comprendre mes textes. Bon, d'accord, je ferme la parenthèse. Donc, je lui ai dit que je n'étais pas fou. La dame m'a dévisagé du regard, hein, avec des yeux qui déclinent, qui pleurent. La pitié m'a dit, c'est sûr,
Je lui ai dit non, c'est pas... Sûr? C'est sûr, madame, je ne... Je suis pas fou. Elle avait les chocolatés, paf, dans la gueule, salope. Non, pardon, je l'ai pas dit, je reviens d'ailleurs. Ses yeux étaient de plus en plus grands, les larmes de plus en plus petites, je lui ai dit. Comme ça, on se laisse emporter. La vie de ma mère, j'ai toute ma tête, et c'est là. Le problème, je vous jure, madame, je ne suis pas fou. Elle m'a dit, ça se voit. Je me suis dit, chouette, j'ai réussi à la faire penser qu'elle sert à quelque chose et exaucer une providence soudaine que j'ai eue en arrivant, comme un côté humaniste ne pouvait contenir longtemps l'aider à conforter ses sentiments concernant mon état psychologique et surévoluer par la même sa conscience professionnelle et son devoir accompli. Je n'ai remis le coup, je lui ai dit, crampiche, ma foule. Oh la radine, la vie de ma mère. Oui, regardez-moi bien, madame, je ne suis pas ma boule. Ma boule. C'était une belle pièce, elle a fait bien.